Très heureux de vous retrouver dans cette session d'information sur un nouveau télé, la télé totalement vôtre, mesdames et messieurs, les titres. C'est parti depuis ce jeudi pour les travaux des activités des États généraux de la migration et le cadre de concertation avec les Maliens établis à l'extérieur. Cette initiative vise à faire un diagnostic réel de la situation des Maliens établis à l'extérieur. L'insécurité persiste toujours dans le cercle de Banamba où des hommes armés non identifiés ont tué une dizaine de forains en début de semaine. Les détails dans cette édition. La mission onusienne au Mali a mis fin à toute ambiguïté sur les conditions d'occupation de ces camps. Dans un communiqué, elle est revenue sur le processus et les conditions de transfert de ces camps. Vous en saurez plus dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations. Les membres du Conseil national de transition ont bouclé la session extraordinaire d'août 2023 ce jeudi 17 août 2023. L'organe législatif de la transition a adopté trois projets de loi déposés par le ministère de l'Économie et de la Finance. Pour plus de détails, écoutons quelques réactions au micro de Zakaria Oumar Keïta. Au jour de cette session extraordinaire, faudrait-il les rappeler, portait sur l'examen des 10 projets de loi, dont la totalité a été adoptée grâce aux efforts soutenus des différentes commissions du Conseil national de transition. Au nombre de ces lois votées figurent entre autres celles relatives au code minier en République du Mali et au contenu local dans les secteurs miniers. Nous avons adopté la loi modifiant la loi numéro 06-067 du 29 décembre 2006 portant Code général des impôts et la loi numéro 06-068 du 29 décembre portant livre de procédure fiscale. Il faut ajouter la modification de la loi numéro 23-051 du 13 décembre 2002. Portant loi des finances pour l'exercice 2023. Par cette loi modificative que nous avons votée, les recettes budgétaires rectifiées pour l'exercice 2023 sont évaluées à 2 304 475 000 000 de francs CFA. Quant au départ, elles se chiffrent à 2 994 470 000 000 de francs CFA. Cette modification de la loi des finances 2023 tient compte du ralentissement de l'activité économique et de la hausse des prix. Les sessions extraordinaires sont généralement convoquées par décret du président de la République, comme aussi le CNT aussi peut le convoquer. Mais généralement, quand le gouvernement demande au président de la République qu'il prenne un décret pour nous convoquer, nous traitons seulement les projets de loi qui nous ont été envoyés. Et en ce sens que le CNT se limitera seulement à ce que le gouvernement a envoyé. Voilà, et sont ces lois-là. La session de la nationalisation des ressources naturelles du Mali. Ça a été une session aussi de la souveraineté en ce qui concerne la médecine traditionnelle. Ça a été également une session permettant de lutter efficacement contre l'insécurité routière. Et une session où on a validé la loi rectificative et où on peut noter que très rarement ce qui se passe au Mali, on vient quand même d'ajouter un point important sur les recettes budgétaires. Et malgré cela, malgré la crise russo-ukrainienne, malgré également les crises sanitaires, les crises sécuritaires et l'embargo imposé par la CEDEAO. Et donc, on a pu quand même augmenter des recettes cette année. Comme annoncé, les travaux des activités des États généraux de la migration et le cadre de concertation avec les Maliens établis à l'extérieur ont démarré ce jeudi au Centre international de conférence de Bamako, CICB. Organisé par le ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, cette rencontre de 3 jours s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation. Elle vise également à faire un diagnostic
et réelle de la situation des Maliens établis à l'extérieur. Plusieurs Maliens de la diaspora participent à ces travaux. Nous vous proposons d'écouter quelques réactions sur l'importance de cette rencontre au micro de nos reporters Amadou Diarra et Zakaria Oumar Keïta. Je pense que c'est une heureuse initiative, une recommandation des Assises nationales de la Refondation qui a fait 517 recommandations, parmi lesquelles 22 en direction des Maliens établis à l'extérieur. Et dans ces 22, en bonne place, les États généraux de la migration et la mise en place d'un cadre de concertation des Maliens établis à l'extérieur. Donc ça nous permettra, à travers des panels thématiques, de faire le diagnostic de la gestion migratoire dans tout leur état, aussi bien en ce qui concerne la protection des Maliens établis à l'extérieur, les problèmes de papier, les problèmes, aussi d'investissement. Tout ça sera abordé. Et ensuite, la mise en place d'un cadre de concertation entre les acteurs de la migration et l'État. Donc, je pense que c'est une bonne initiative. Vous avez vu que l'appel a été entendu massivement. C'est vraiment salutaire. Et on souhaite que tout se passe dans l'art de travailler. Sinon, c'est une bonne chose. Les Maliens à l'extérieur ont leur place dans ce pays. Nous sommes partis à l'extérieur, c'est pour mieux vivre, pour avoir quelque chose, envoyer aux parents et venir investir. Donc, si tout cela peut être coordonné, vraiment, c'est très bien. Et pour le Mali et pour sa diaspora. Les attentes des femmes, c'est que les femmes de la diaspora soient traitées au même pied d'égalité que les femmes qui sont en intérieur. Qu'il y ait une synergie d'action entre les associations féminines à l'extérieur et les associations féminines qui sont au Mali ici. Qu'il y ait vraiment une synergie d'action entre les leaders femmes résidant au Mali et les leaders femmes résidant à l'extérieur. Cela va faciliter beaucoup de choses pour l'émergence des femmes, des filles et pourquoi pas de la famille. Les femmes, ce sont les résolutions qui ont été retenues dans les ANR, qui sont exécutoires. Nous avons un décret qui définit les statuts des Maliens établis à l'extérieur. Nous avons demandé la banque d'investissement. Nous avons demandé les fonds d'investissement. Nous voulons apporter de l'argent à l'État en institutionnalisation le bon trésor de la diaspora malienne. Nous avons demandé un recensement à caractère état civil pour augmenter le nombre de Maliens qui votent, parce qu'actuellement on est 452 900. Nous avons demandé des conseillers spéciaux auprès du président, auprès du premier ministre chargé de la diaspora, et aussi 5 conseillers dans 5 ministères sectoriels. Donc voilà, il y a d'autres demandes, mais ce sont les principales. L'entreprise de restauration et de prestation de services Casa Flavor a procédé ce mardi 15 août 2023 à l'inauguration de sa nouvelle salle de séminaire sise à Amdelaye Assei. Avec une capacité d'accueil de 80 à 90 personnes, cette nouvelle salle de séminaire peut servir de cadre à plusieurs types d'activités. Le compte-rendu est signé Lassine Diakité. La présente activité a pour but non seulement d'informer l'opinion publique sur la disponibilité d'une salle de séminaire, mais aussi les inviter à la solliciter pour leurs différentes activités. Selon la promotrice de Casa Flavor, outre les séminaires, cette salle peut servir de cadre à plusieurs autres activités. Je remercie toutes les personnes qui ont été avec moi à chaque étape du chemin pour que ce jour arrive. Le but de cette invitation, c'est pour remercier encore plus mes partenaires qui m'ont fait confiance. Les autres remerciements vont surtout à mon mari qui m'a toujours épaulé. L'initiative qui contribue au développement socio-économique et culturel du pays est saluée par les participants à cette cérémonie d'inauguration qui invite d'autres personnes à suivre l'exemple de Nene Koulibaly. Bon, je dirais que ça peut apporter beaucoup de choses parce que ça crée la valeur ajoutée. Et il y a beaucoup de jeunes qui vont avoir du boulot dans ce sens, comme les serveurs. En ce qui concerne aussi les nourritures, il y a des femmes qui sont chargé de ça. Il y a des cuisiniers qui vont être dedans. Donc, ça crée vraiment du boulot pour la population. Donc, je suis très fier d'eux et j'aimerais que beaucoup de personnes
au Mali et partout fassent comme eux, c'est-à-dire être ambitieux, être courageux et ne jamais céder au découragement. Casa Flavor est une entreprise de restauration et de prestation de services à Bamako. Elle ambitionne d'ouvrir ses portes dans d'autres localités du pays. Présent au Mali depuis plusieurs semaines, Fousseyni Koulibaly, alias Jumeau, juge mondial de Paris ou encore grand frère, vient d'être interpellé ce mercredi soir par les services de sécurité, selon certaines sources. Très fréquent sur le réseau social TikTok, Jumeau est connu pour ses sorties jugées contraires à nos mœurs. Il a été placé sous mandat de dépôt ce jeudi 17 août 2023. Son sort sera défini par la justice malienne. Si la fermeture et le transfert des camps d'Ogossagou et de Goundam de l'aménagement ont été faits sans incident, celui de Ber a provoqué des tensions et des affrontements meurtriers. C'est pourquoi, dans un communiqué, la mission onusienne est revenue sur le processus et les conditions de transfert de ces camps. Les précisions avec Alamako Diabaté. Tout d'abord, conformément aux directives des Nations Unies, l'aménagement ne transfère officiellement les camps qu'aux autorités civiles de l'État. Dans ce contexte, la mission est en contact permanent avec les autorités maliennes au niveau national et régional. Pendant ce temps, le personnel et les équipements de l'aménagement, y compris ceux des pays contributeurs de troupes et de forces de police, sont retirés du camp de manière à minimiser les risques, en coordination avec le gouvernement du Mali. Les équipements tels que les véhicules blindés, les armes et munitions appartenant aux pays contributeurs de troupes et de police sont systématiquement retirés en priorité. La mission laisse derrière elle des infrastructures et des équipements, tels que des installations de traitement et de gestion des eaux usées, des réseaux de production et de distribution d'électricité, ainsi que des bureaux meublés. Une fois que son personnel et ses équipements ont été retirés, l'aménagement doit s'assurer que le camp est laissé dans un état sûr et fonctionnel, ce qui implique l'élimination de tout produit chimique ou déchets dangereux. Tous les efforts sont consentis pour achever le nettoyage de l'environnement dans les délais et les capacités disponibles. Avant la signature, une inspection environnementale conjointe finale du site est menée avec des représentants du gouvernement malien, coordonnée par le ministère de l'Environnement. En outre, une enquête de dépollution sur la zone de combat est menée par le service de lutte anti-mine des Nations Unies, pour s'assurer qu'aucun explosif n'a été laissé sur place. Et ce rapport est inclus dans les documents devant être signés par les autorités. Après Ogossagou et Ber, les forces armées et de sécurité viennent de récupérer un troisième camp, celui du camp de Goundam, qui a été quitté ce 16 août 2023 par l'aménagement dans le cadre de son retrait du Mali qui devrait être plutôt achevé d'ici la fin de l'année. La mission onusienne s'est définitivement retirée de ces camps. Il reste désormais à transférer les camps de Menaka et surtout ceux à Tanzanie, à savoir Aguelhok, Tessalit ou Kidal. Aïssata Diarra. En effet, contrairement à Ber où le transfert du camp à l'armée malienne a été émaillé d'incidents meurtriers, celui de Goundam s'est déroulé dans le calme. Depuis hier mercredi, c'est le drapeau du Mali qui flotte sur le désormais ex-camp de l'aménagement dont les derniers soldats ont regagné dans l'après-midi de ce mercredi la ville de Tombouctou avant leur transfert à Bamako et leur départ pour les pays d'origine. Il faut dire que la localité était sous contrôle du Mali depuis la fin de la requête en 2012. Il reste désormais à organiser le retrait des forces onusiennes d'autres camps et leur transfert à l'armée malienne. La fin du processus n'est pas sans risque, car dans certaines localités, il y a un vrai risque de montée des tensions, voire des affrontements avec les mouvements armés. Il s'agit notamment des camps d'Aguelhok, Tessalit et de Kidal. Les négociations étaient en cours pour éviter les affrontements comme on a connu à Ber à la fin de la semaine dernière.
Banamba, une dizaine de forains tués entre CBT et Toubakoro. En effet, des hommes armés non identifiés ont tué une dizaine de forains en début de semaine dans le cercle de Banamba, rapportent nos confrères de Studio Tamani. Le commentaire avec Gabriel Keïta. Le cercle de Banamba est en proie à l'insécurité depuis 2022. Et ce sont les forains qui sont fréquemment attaqués par des hommes armés dans différentes localités du cercle. Selon nos confrères de Sidio Tamani, plus d'une dizaine de forains, en partance pour la foire hebdomadaire de Dalibourou, ont été lâchement égorgés dans la nuit de lundi 14 à mardi 15 août 2023. Des témoins rapportent que le crime a été commis par des individus non encore identifiés entre CBT et Toubakoro dans le cercle de Banaba. Selon la même source informée, les forces de sécurité ont ouvert une enquête pour faire la lumière sur cette affaire. En plus des assassinats et braquages des forains, on assiste ces derniers temps à l'enlèvement des personnes dans le cercle par des malfrats. Désormais, la région de Mopti bénéficie d'un nouveau projet pour la promotion de l'accès au financement de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Mali. Les activités de lancement de ce nouveau projet ont eu lieu les 14 et 15 août 2023. Le projet vise à promouvoir l'inclusion financière en appuyant les institutions de microfinance, à renforcer les capacités des micro, petites et moyennes entreprises et à créer des conditions pour la mise en place des activités génératrices de revenus en faveur des jeunes et des femmes. Moussa Traoré, Soumaïla Aya. En effet, ce projet pour la promotion de l'accès au financement de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Mali qui vient d'être lancé à Mopti a pour objectif de soutenir les efforts du gouvernement face au défi de l'inclusion financière, du financement des micro, petites et moyennes entreprises et de la création d'activités génératrices de revenus. Une occasion pour les acteurs du projet d'édifier leurs partenaires, mais aussi rassurer les bénéficiaires. Nos attentes, c'est que comme le projet, nous le concevons comme une passerelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont dans une vulnérabilité qui est telle que si on ne leur tend pas la main, ce sera pour eux difficile d'envisager l'avenir. Mais maintenant, à travers les AGR, c'est quelque part une création d'emplois, que ce soit pour les jeunes, pour les femmes, etc. Ça va leur permettre de mettre en place une activité économique qui, nous le pensons, avec l'encadrement qu'il faut, peut être pérenne. Et ça leur permettra alors d'entrevoir l'avenir autrement. Compte tenu de son importance dans la région du centre, cette initiative est appréciée à sa juste valeur par les autorités administratives régionales. Vous l'avez dit, ce projet qu'on appelle le PAFEM, initié par l'UNICEF et l'État malien, va beaucoup contribuer à rehausser l'économie régionale. C'est un projet qui va beaucoup s'atteler aux activités génératrices de revenus, notamment pour toutes les couches, surtout les couches les plus défavorisées, les déplacées, mais surtout le genre, les femmes. Le projet de promotion de l'accès au financement de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Mali, PAFEM, est une initiative du gouvernement du Mali soutenue par la Banque mondiale avec la participation technique de l'UNICEF. Les hommes peuvent atteindre un but commun sans emprunter les mêmes voies. Proverbe africain, excellente soirée à tous, à très bientôt.